Aujourd'hui, les dommages sont en train d'être chiffrés, c'est l'un des objectifs de cette mission, sont colossaux dans le Grand Nouméa. Et donc la priorité ira vers une aide d'urgence pour payer les salaires, pallier aux problèmes de trésorerie. Des engagements ont déjà été pris lors des deux réunions qu'a présidé le ministre de l'Économie et des Finances, avec des délais de paiement, des reports de charges et de créances, avec un engagement des assureurs, et des équipes dédiées seront justement déployées, avec aussi des prêts à taux zéro pour accompagner l'ensemble des professionnels.